Niché au cœur du 11e arrondissement de Paris, ce nouveau bâtiment de 1500 m² nommé Villa Malvar ne passe pas inaperçu. Réhabilité par le groupe Galia, l'ancienne concession automobile de la marque Volkswagen accueille désormais les collaborateurs de l'entreprise Deepkey au sein d'un bâtiment moderne, lumineux et végétalisé. Depuis notre dernière levée de fonds en 2022, notre chiffre d'affaires a doublé et nous avons plus que doublé les effectifs de l'entreprise. Donc nous avions à cœur de trouver un nouveau lieu, un nouvel endroit pour accueillir tous les collaborateurs de Deepkey, mais aussi tous nos clients. Et c'est sur le lieu du Clos Malvar que nous avons choisi de porter notre attention. C'est un enjeu important pour nous, à la fois en matière de qualité de vie au travail, pour tous les collaborateurs, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils soient heureux de revenir, surtout dans un contexte post-Covid. Où il est important de donner envie et de trouver du confort aussi dans le fait de se déplacer, d'aller au travail. Mais aussi, surtout, vous l'avez compris, comme nous sommes une entreprise qui aide à la transition net zéro de l'immobilier, il fallait qu'on trouve un lieu qui soit à notre image. Et quel plus beau lieu que le Clos Malvar, parce que pour une triple raison, c'est un lieu qui correspond tout à fait à nos ambitions de lutte contre le changement climatique. Ce lieu est intéressant parce que premièrement, c'est une ancienne concession automobile qui a été rénovée en espace de bureau et symboliquement, que de mieux que de laisser partir les voitures de Paris et faire venir une entreprise qui lutte contre le changement climatique avec ses clients. La deuxième chose, c'est que nous avons minimisé les modifications et les aménagements locataires afin d'utiliser un maximum l'existant et éviter en fait d'émettre du CO2 pour créer des parois, déplacer des salles de réunion, etc. Et donc, nous avons travaillé à des espaces modulaires qui puissent être utilisés par tous les collaborateurs dans plein de configurations différentes. Et la troisième qui me tient beaucoup à cœur aussi, d'autant plus que nous venons de faire le rachat à Vinci d'une entreprise qui s'appelle Nuco, qui évalue les émissions de CO2 embarquées dans les matériaux, c'est que nous avons utilisé quasiment que des mobiliers de seconde main, des tables et des chaises qui étaient dans d'autres bureaux, qui n'ont pas été fabriqués exprès pour Deepkey, mais que nous avons racheté à d'autres entreprises qui quittaient les locaux où ils étaient. Donc voilà, pour ces trois raisons, on est très fiers d'être dans ces locaux qui sont performants d'un point de vue environnemental. Les collaborateurs de Deepkey bénéficient également de services tels qu'une cafétéria et une salle de fitness, ainsi qu'un rack à vélo sur deux niveaux capable d'accueillir jusqu'à 40 unités. Le bâtiment vise les certifications bâtiment bas carbone, HQE niveau très bon, ainsi que le label Biodiversity.